Bonjour. À côté de moi, Raphaël Correa, j'adapte la caméra, qui a été président de l'Équateur et qui, évidemment, est le mieux placé. Il vit pour le moment en Belgique et, évidemment, c'est le mieux placé pour nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Équateur, des événements dramatiques sur lesquels les médias parlent peu. On a beaucoup sur Hong Kong. On a beaucoup sur le Venezuela et sur l'Équateur, un tout petit peu. Donc voilà, Michel Midi va combler cette lacune. Et la première question, Raphaël, qu'est-ce qui se passe maintenant en Équateur? Bon, merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour à tous. Et c'est, si tu veux, la phase finale d'une accumulation de facteurs, bien sûr, hein. C'est un gros problème à la fin. Ça s'appelle, on l'appelle en espagnol, en Équateur, paquetazo. Ça veut dire c'est un programme d'ajustement du fonds monétaire, mais des mesures politiques, économiques très fortes. Le fonds monétaire international. Bien sûr. Celui qui a déjà mis à genoux. Le gouvernement nous a trahis. On a gagné les élections. Mais Moreno nous a tout à fait trahis, a détruit la démocratie. Ça, c'est difficile de comprendre ici, parce qu'il n'existe pas. C'est comme si le Parti Socialiste gagne les élections. Mais il va suivre les programmes politiques des nationalistes flamands. C'est plus ou moins ça. D'accord. Donc, ce n'est pas possible. Et les gens, peut-être, sont en train de rigoler. Ah. C'est exactement ça qui est arrivé en Équateur. Et c'était toujours comme ça, plusieurs fois. Alors, ce n'est pas la démocratie. Donc, ils ont trahi la démocratie. Au début, il était tout à fait manipulé pour les médias. Les médias sont complices du gouvernement. Mais petit à petit, ils se sont rendus compte que toutes les choses sont en train de changer, que le pays fait marche arrière, l'économie est en très mal état, et finalement, le programme avec les fonds monétaires, personne n'a voté pour les fonds monétaires. Et, par exemple, la libération du prix de l'essence, que c'est très important pour l'Équateur, et ça fait éclater des protestes très forts, comme jamais on a vu, au moins, pendant les dernières décennies. Ce sont des mesures qui aggravent la pauvreté très fort. Qui étaient déjà en train de grandir, et c'est très grave, parce que on a eu beaucoup de problèmes économiques les deux dernières années de mon gouvernement, 2015-2016. La tombée du prix du pétrole, la tombée de toutes les exportations et même un tremblement de terre très fort. Avril 2016, presque 8 dans l'échelle Richter. Ils n'ont eu rien de tout. Malgré ça, maintenant, on a des récessions. La pauvreté a augmenté. Avec nous, on était le champion régional pour la diminution de la pauvreté. Avec eux, la pauvreté a augmenté. Demi millions d'Équatoriens sont tombés de nouveau dans la pauvreté. Et en plus, avec des mesures comme ça, où il y a des estimations. Hein? Je suis économiste, j'ai des collègues. Donc, par exemple, si ça produit une inflation de 100%, l'augmentation du prix de l'essence, parce qu'avec le prix de l'essence, va augmenter tout, ça veut dire que plus ou moins 300 000 personnes vont tomber en plus dans la pauvreté. Sur une population de combien de millions? 100 millions. D'accord. Il y a aussi des mesures contre l'emploi. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est tout un programme idéologique? C'est libérer le prix, il dit sincérer. On dit comme ça, sincérer le prix. Oui. Le faire sincère. Oui, oui. Ça veut dire que le marché est sincère et tous les autres sont des menteurs. C'est la folie, c'est la bêtise, c'est stupide. Non. Mais en tout cas, c'est le fondamentalisme idéologique. Donc, mais c'est que toutes les choses soient gérées par le marché. Il ne veut pas l'État. Donc, ils l'ont imposé aussi. C'est un programme néolibéral. Il y a eu des protestes pour ça. Mais ils ont aussi imposé des mesures pour diminuer l'emploi public, diminuer les salaires publics, diminuer les droits laboraux publics, par exemple les vacances. OK? Ils sont plus que les vacances. Ils ont un mois de vacances par rapport au secteur privé que les travailleurs au secteur privé ont que
15 jours. Mais les travailleurs du secteur privé reçoivent des bénéfices de l'entreprise, 15% de bénéfices. Donc, le secteur public n'a pas ces droits. Il faut compenser avec quelque chose, c'est avoir plus de vacances. Ils ont éliminé tout ça. Pourquoi? Ils essaient d'affaiblir l'État. Ils essaient d'affaiblir l'État. Il veut diminuer l'État et comme ça passer toutes les choses, même l'éducation, la santé, au secteur privé. Il a été élu à gauche et puis il fait la politique des grands capitalistes. C'est notre programme de gouvernement qui est élu. Mm-hmm. Et ça, c'est la démocratie. Tu ne votes pas pour une personne, tu votes pour un programme politique. Mm-hmm. Mais ils nous ont volé la démocratie. On va montrer ce qui se passe en Équateur parce qu'il y a très peu d'images et j'en ai reçu. J'ai juste un petit souci technique. C'est que je ne suis pas certain à 100% que vous aurez le son des vidéos. Je regarderai les commentaires, mais elles sont très importantes. La première, parce qu'elle nous montre qu'il y a vraiment une foule en protestation massive contre le nouveau gouvernement, contre le gouvernement actuel. Voici les premières images. Voici les images suivantes. J'espère que vous avez le son, mais les images sont de toute façon très parlantes. Je regarde. C'est assez dur, je vous le préviens, mais je pense qu'on doit vraiment connaître la réalité qui nous est cachée par les médias européens. Je passe la deuxième vidéo. Hijo de puta. Lo mataron. Hijo de puta. Lo mataron. ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Médico! ¡Médico, médico, no! ¡Llévale, llévale, llévale! ¡Bajémosle, bajémosle! ¡Bajémosle, bajémosle! ¡Bajémosle, bajémosle! ¡Médico! ¡Médico! ¡Hijo de puta! Voilà, vous avez donc vu les images d'un garçon là, qui se protège avec du carton. Qu'est-ce que ça doit être très doux. C'est la répression la plus brutale. Écoute, je viens de l'académie, je suis politicien. J'étais persécuté pour ce gouvernement. Ils nous ont trahis. Mais j'essaie de garder l'objectivité, ça c'est l'honnêteté intellectuelle. Mm. Non, tout le monde a des préférences, des idéologies. Ce n'est pas possible d'être neutral. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Il faut garder l'objectivité, malgré que tu n'es pas neutral. Donc, j'essaie d'être objectif. Je n'ai jamais vu une répression comme ça. Je ne me rappelle pas. Même dans la dictature militaire, j'étais très jeune, mais je me rappelle quelque chose. On n'a pas eu une répression comme ça. Les chiffres officiels. Mais oui, peut-être il y a combien de tués ? On a parlé de 6 tués. 8. Mais ça, c'est des chiffres officiels. Je crois qu'ils sont beaucoup plus. Ils sont en train de cacher les choses. Et 1200 personnes arrêtées. Parmi eux, des dirigeants de nos partis politiques, sans aucune preuve, rien de tout, c'est la persécution politique, et 1300 blessés. 1300. La répression était vraiment brutale, criminelle. Voilà, je pense qu'on a une idée de ce qui se passe là-bas et que nos médias nous montrent trop peu. Je vais passer une troisième vidéo dans laquelle une Indienne dénonce fortement, vous allez bien l'entendre, la politique qui est menée maintenant. Voici les images. J'ai oublié de commenter les vidéos. Hein. C'est très, très fort. C'est un jeune qui s'est protégé avec un carton. Oui. Et on tire dessus. Et on l'a tué. C'est ça qui ont fait la police, les forces armées. On comprend pas cette réponse-là. De où viennent les ordres? Et les ordres ne viennent pas seulement que du gouvernement. Les ordres viennent de plus au nord. Oui, c'est ça que je crois. Ce qui est frappant, je le disais, c'est qu'on a beaucoup de cinéma sur le Venezuela, sur le Nicaragua, sur Hong Kong, et on se demande comment ici, il y a des choses incontestables qui sont établies et dont on ne nous parle pas, qu'on ne nous montre pas, sur lesquelles il n'y a pas d'émotion. Et bon, vous savez que c'est pour cette raison-là qu'on a réédité la version de Fabriquer un consentement, le meilleur livre sur les médias de Herman et Chomsky, Investigation, la réédité, parce qu'ils expliquent notamment ce qu'ils appellent le deux poids et deux mesures. En fonction de quoi
les médias du Nord, les médias des États-Unis d'Europe vont vous parler des bonnes victimes et pas des mauvaises victimes. Et malheureusement, les victimes de l'Équateur sont des mauvaises victimes et on n'en parle pas. On va passer à la troisième version, ou à la troisième vidéo, pardon, où vous allez voir la protestation d'une femme indienne. Esto es tiranía. No es lo que nos está haciendo a nosotros es matar, regar nuevamente la sangre de nuestros indígenas, de nuestros runas. Que ya se vayan todos estos millonarios. Que nos dejen en paz a nosotros los indígenas, porque con estas manos trabajamos día a día para nuestros hijos. Con el maíz, con los granos les damos de comer a todos estos millonarios, a estos petroleros. Que ya se vaya Lenin, que nos deje. Ya nos conquistaron una vez y no volveremos a ser conquistados. Nos ultrajaron a nuestras mujeres. Nos hicieron esclavos a nuestros hombres. Ahora ya no. Ahora basta de esta tiranía. Esto es tiranía. Correa nunca nos hizo esto. No está con ningún partido. Pero hay que decir la realidad. Él nos dio escuelas del milenio, universidades. Ahora mis hijos no van a poder estudiar. Yo venía caminando y la gente me quedaba viendo como el peor bicho. Eso nos van a hacer ahora si es que este Lenin sigue aquí en este pueblo. Ya no le queremos. ¡Que se largue, ese hijo de puta! ¡Que se largue! ¡Que se largue! Voilà, Raphaël, en deux mots, qu'est-ce que cette femme disait? Bon, elle est remplie de la haine, parce que la répression était brutale, ils ont le droit de résister, c'est un droit constitutionnel, hein, le droit à la résistance, de résister les mesures économiques du Fonds monétaire qui vont, en plus, mettre beaucoup de gens dans la pauvreté, notamment parmi les Indiens, mais elle aussi reconnaissait qu'avec notre gouvernement était tout à fait différent. Et ça, c'est un bon échantillon de ce que les bases indiennes pensent. Mm-hmm. Parce qu'il faut avoir très clair, les dirigeants indiens étaient avec le gouvernement, sont encore avec le gouvernement. Ils appuient le gouvernement à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ils n'ont jamais voulu la démonstration. C'est les territoires qui se sont organisés. Ils avaient déjà des protestes. C'est la base. La base. Ils avaient déjà des protestes en ville, non, des gens qui habitent en ville. Et finalement, ils n'ont jamais, après toute sa répression, jamais dit « fuera Moreno, fuera », comme ils criaient les gens dans les rues. « Fuera Moreno, fuera, dehors, Moreno, dehors ». Mais non, non, il faut laisser tomber le décret, l'ordre présidentiel d'augmentation des prix de l'essence, et c'est tout. D'accord. C'est tout, après tout ça qu'on a vu. Ils ont détruit le pays, tout à fait. Il y a eu beaucoup de questions sur Moreno. Comment ça se fait qu'il a fait ça? Et comment ça se fait qu'il était le vice-président quand tu étais président? Il est un mentor professionnel, mais il continue à mentir. Mais alors je montre... Il trompe tout le monde. Alors je montre ici une petite photo où tu présentes un document il y a déjà un petit temps sur Moreno. Et là on le voit mieux, c'est un montage évidemment, c'est pas Moreno lui-même, il est en train de montrer le numéro d'un compte à Panama, tu peux expliquer? Écoutez, on a découvert maintenant qu'il est même corrompu. Pas tous les traîtres sont corrompus, mais la différence, oui. C'est très petit, hein? C'est très facile de devenir corrompu après devenir traître, parce que ça veut dire que tu manques des principes, des valeurs. Donc on a fait une recherche, il a eu une infiltration, oui. Des messages, etc., des données. Et on a découvert la compte secret de Moreno, INA Investment. INA, d'après ses filles qui s'appellent Cristina et INA Karina, non? Avec la compte au Panama. Et, Panama, et beaucoup c'est d'argent. Un paradis tax haven, paradis fiscal, on dit en français. Oui, tax tout haven, à fait. Non? Pour ne pas payer les impôts, pour cacher l'information, etc. C'est la compte 104-10-71-3-78. Balboa Bank, Panama. Tu crois, on connaît ça depuis février. Tu crois que le procureur, s'appelle en français, non, fiscal, en espagnol, a fait la recherche? Pas du tout. Mais dans ce moment-là, elle est en train de mettre, c'est une femme qui obéit aux États-Unis, en train de mettre en prison nos dirigeants parce qu'ils sont responsables de la violence. Quelle violence! Mais depuis février, elle a la compte secrète de Moreno, ils sont en train de donc, couvrir à Moreno. Donc, un, il est riche, Moreno. Et deux, il fraude les impôts. Il est corrompu, non? Il les traite, il nous déteste, ça c'est une maladie déjà, il vit pour nous détruire. Il est détruit, tout à fait détruit.
Équateur n'a plus de gouvernement, n'a plus de Moreno, je ne sais pas. Bon, je crois que je sais que la stratégie. Tu peux avancer des élections en Équateur, en phase de crise comme ça, en mm-hmm. phase de commotion sociale. Tu peux avancer, c'est l'article 130, et ça peut être ordonné par le Parlement, que là-bas s'appelle l'Assemblée nationale, ou 148, ça veut dire le président même peut ordonner avancer les élections, élection mm-hmm. présidentielle, élection parlementaire. Il faut faire ça. Il n'a plus de gouvernement. Mm. Il n'a pas d'autorité pour gérer le pays. Jamais il a eu. Mais qu'est-ce qu'il, pourquoi, oui. qu'est-ce qu'il attend? Manon, il y a une casserie de brujas. Chasse aux sorcières. Oui. On dit en français. Chasse aux sorcières contre nos dirigeants. Parce qu'il sait bien que s'il y a des élections, on va gagner les élections. On va emporter les élections. Donc, il essaie de nous détruire. Moi, déjà, je suis dehors. Ricardo Patiño a dû chercher d'asile au Mexique. Il y a plusieurs, beaucoup de gens qui, avant de tous les problèmes, pour la persécution politique, on doit quitter le pays. Mais maintenant, seulement les derniers jours, il y a 6-7 déjà dirigeants qui ont cherché l'asile à l'ambassade de Mexique en Quito. Ils l'ont mis en prison, la préfecte, la gouverneuse, si tu veux, de la province de Pichincha, de Paola Pavón, qui venait de gagner, emporter les élections locales. Et notre secrétaire du parti a été aussi à un mandat d'arrêt. Ils l'ont fait les perquisition de bureaux de notre parti politique. Est-ce qu'on risque d'arriver vers un système militaire avec un système... On est déjà sur ça. Mais avec les supports, les soutiens des médias, la méconnaissance de la plupart de la population et l'indifférence de quelque part aussi. Les médias, c'est un problème en Équateur, en Amérique latine? Tout à fait, tout à fait. C'est le plus grand problème. Il peut faire n'importe quoi à cause de ça. Mais c'est plus ou moins pour vous mettre un peu... pour faire un rappel, c'est plus ou moins comme les années 70, la lutte contre le communisme. Et avec la justification de que tu es communiste, il faut te tuer. Et après, dans les journaux, sortait que non, tu étais en train de voler une banque et la police t'a découvert, tu as tiré sur la police et la police s'est défendue. Et ça s'appelle en espagnol « falsa bandera », le falso positif. Ils sont des fausses preuves. Okay? Mais ils sont en train de persécuter tous nos dirigeants, détruire les partis politiques, la seule opposition, véritable opposition au gouvernement de Moreno, la dirigeance indienne soutient, ne vous trompez pas, la dirigeance indienne soutient le gouvernement, il avait jusqu'il y a 5-6 jours acheté, un ministre, okay? Ils ont un ministre d'État, ils ont soutenu le référendum de l'année passée, tout à fait inconstitutionnel, tout, ok? En tout cas, la seule opposition est nue, non? En tout cas, il essaie de détruire les partis politiques, et mettre en prison ou les mettre dehors du pays à tous les dirigeants, et après ça, ils vont appeler, ils vont avancer les élections. Comme ça, on ne saurait pas participer. D'accord. On a dit que le gouvernement avait quitté Quito, la capitale, et qu'il s'était réfugié à Guayaquil. Pourquoi ? Tu vois la photo, non ? Et les gens, le public, l'audience peuvent voir la photo. C'est la photo typique d'un dictateur. Avec les forces armées. Pour gagner la légitimité, il faut apparaître avec les forces armées. Cherche, si une fois j'ai fait une photo comme ça, la légitimité d'un président est soutenue et basée sur l'appui populaire. Voilà. Moreno, avant les problèmes, avait 14% d'appui populaire, de soutien populaire, soutien des gens. Maintenant, il doit être 2-3%. Ce n'est pas possible de continuer avec un gouvernement comme ça. Et il avait tout le monde peur que, pour la deuxième fois dans notre histoire, après plus d'un siècle, la dernière fois, c'est arrivé la première fois, et seule fois avant cette occasion ici, c'était il y a 124 années, il a bougé la capitale de Quito, Guayaquil, pour se sentir protégé, parce qu'à Guayaquil, le gouvernement local, la municipalité, est géré par l'extrême droite. Donc l'extrême droite soutient Moreno. Donc un gouvernement qui est obligé de quitter sa capitale parce qu'il a peur du peuple, c'est quand même un beau symbole. Parce qu'il y a plus d'un siècle, personne ne va connaître ça. Maintenant, tout le monde sait, en certain moment, que le gouvernement a quitté la capitale. Donc il a perdu toute autorité pour continuer à être président. Alors, sur ces images ici, on voit effectivement que la seule arme de Moreno, c'est l'armée et la police, et beaucoup de répression. On voit que la répression est très forte. Très méchante. Ici, il tape les gens quand ils sont déjà tombés, quand ils ne sont plus en péril. Parce qu'il a eu d'excès aussi, clairement, des gens qui protestaient. Il y a toujours des groupes violents et tout ça.
Mais parfois, elles sont déjà... Regardez, ça c'est une femme. Oui. Mais il continue à l'agresser quand elle est tombée, et tout, des choses comme ça. C'était vraiment méchant. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la répression a obligé la population à résister, à se protéger. C'est une résistance avec beaucoup de courage, on dirait. Oui, mais il y a beaucoup d'infiltration aussi. Parfois, il y a des groupes violents pour la délégitimation de la proteste. Mm-hmm. Ils ont fait ça, c'est comme les nazis. Quand ils ont fait un incendie au Reichstag, le Parlement, après un mois que Hitler était arrivé au gouvernement. Et comme ça, il a commencé à persécuter à tous les communistes. Ce sont des choses qui arrivent en France aussi, les Gilets jaunes, on a vu des infiltrés, et dans d'autres, en Espagne aussi, des infiltrés. Ils ont attaqué la contralorie, ça veut dire contralorie en espagnol, les juges de compte, oui. Que c'est un instrument de persécution, j'ai 28, 29 procès criminels, seulement criminels, plus qu'Al Capone, Pinochet, Chapo Guzmán ensemble. Donc pourquoi? Pour construire l'histoire, que tout était géré pour moi. Ils ont dit que j'étais à Venezuela, que j'étais financé par Maduro. Tout était géré pour moi, pour faire disparaître tous les procès contre moi. Mais qui peut croire une bêtise comme ça? Comme s'il n'y a pas de backup digital. Comme que si, en plus, les procès ne sont plus là, sont déjà au parquet. La théorie du grand complot. Oui, mais c'est la bêtise, mais c'est d'histoire que répètent les médias pour faire croire qu'on a géré la violence pour rester dans l'impunité. Comme les nazis. Comme les nazis. Oui, c'est la théorie du grand... Pour continuer à persécuter nos gens. Alors, on voit que malgré la répression, le peuple continue courageusement. On a entendu hier que le peuple avait remporté une victoire. Et que les mesures sont retirées. Je ne suis pas d'accord, les mesures sont retirées, mais à ce moment-là, le problème, ce n'est pas les mesures. On a un programme économique dans le cadre du Fonds monétaire, on a un gouvernement d'extrême droite, personne n'a voté pour un gouvernement comme ça, avec l'appui de toutes les élites racistes, il y a eu beaucoup d'expressions racistes pendant ces protestes, les Indiens sont des voleurs, ils ne travaillent pas, etc. Il y a eu des morts, il y a eu des milliards de blessés, milliards d'arrêtés. Et donc la solution c'est faire marche arrière dans l'ordre présidentiel pour l'augmentation du prix de l'essence. C'est pas de tout ça. C'est que la dirigeance indienne, que c'est pas le seul groupe pour faire la proteste. Il y a eu des citoyens métis, il y a eu des gens, des jeunes, des étudiants, etc. Mais était le groupe le plus fort, ne voulait pas déstabiliser le gouvernement, c'est tout. Donc ils ont accordé ça. Non, si vous faites marche arrière avec l'ordre présidentiel, c'est fini. On n'a plus de gouvernement, on a un président criminel. On continue à imposer un programme d'extrême droite, le Fonds monétaire est encore là, personne n'a voté pour ça, et continue la persécution politique, mais contre les correístes, donc je me fous pas mal. Je me rappelle, qu'est-ce que disait Bertolt Brecht, non? D'abord, c'était les communistes, après, c'était moi-même. Tout à fait. J'imagine que ça doit être... dur, triste pour toi de voir le pays où tu t'es battu pendant des années pour la justice et de voir ce qu'il est devenu. La solution, Correa président. J'ai très mal au corps. C'est le moment le plus dur de ma vie parce que c'est Lénine, Voltaire, Moreno ou comment détruire un pays en 12 années. C'est incroyable. Un incapable, mais en plus un traître. Un malhonnête peut détruire un pays qui allait si bien. On était l'exemple, on était appelé les jaguars, on dit en français, de l'Amérique latine. Les miracles latino-américains. Parce que le pays avait de la croissance économique. Et on était les champions régionaux pour la diminution de la pauvreté, la diminution de la inégalité. On a fini mon mandat parmi les trois pays les plus, les moins inégales, parce qu'on est encore beaucoup inégal, fort inégal, de l'Amérique du Sud. Avant, on était parmi les trois plus inégales. Donc, il a eu des changements historiques. Comment on peut l'appeler? Traître. Bien, pour détruire tout. La solution, les gens qui nous écoutent, s'il y a des équatoriens, on peut pousser pour avancer les élections, parce que le pays n'a pas de gouvernement, c'est fini. Ils ont perdu toute légitimité. Ils vont continuer à commander, à ordonner, basé sur la force. C'est pas la démocratie. Mais, si on doit attendre jusqu'à 2021 qu'il y a des élections générales,
la meilleure arme, c'est le vote. Il faut voter pour récupérer la patrie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas important. Si je dois être candidat, je ne peux pas être candidat à la présidence. Ils m'ont inhabilité. C'est tout à fait inconstitutionnel. Les Indiens, la dirigeance indienne a appuyé tout ça. Appuyé, hein? Mais en tout cas, je peux être vice-président pour le Parlement, etc. Si je dois être, je devrais être. En tout cas, l'important, c'est voter pour le progressisme, pour ces miracles pendant 10 ans, pour récupérer la patrie. Donc, les gens ont, parmi leurs mains, la réponse. Les coups étaient en mains, les mal qu'ils ont fait. Mais on peut récupérer la patrie avec ton voix, avec les élections. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on voit l'ensemble de l'Amérique latine, il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on était très optimistes, puis ça a reculé, le Brésil, l'Argentine perdue, le Nicaragua, le Venezuela ont été fort attaqués, mais résistent. Et là, maintenant, la protestation de l'Équateur, ça veut dire qu'on pourrait de nouveau être optimiste et reprendre courage pour l'Amérique latine. 2012, 2002, 2014 était l'époque d'or de l'Amérique latine. Jamais on a eu des années avec tout le monde de prospérité. Pendant que l'Europe était en crise, pendant que les États-Unis étaient en crise, l'Europe avait de la croissance économique négative, l'Amérique latine avait de la croissance économique, mais avec réduction de l'inégalité. Alors justement, c'est ça la question. Avec si réduction de la pauvreté. Si on aggrave la pauvreté, on provoque la crise. Mais il avait perdu le pouvoir. Et c'est ça que les élites latino-américaines ne peuvent pas accepter. Ils nous ont dominés. Pourquoi tu crois qu'on est sous-développé? Parce que le pouvoir était toujours dans les mains des élites. Et les élites s'en foutent pas mal de la prospérité. Ils essaient d'entretenir les rapports verticaux sociaux, non? Pour continuer à dominer et pour se sentir supérieurs aux autres. Ça, c'est les élites latino-américaines. Donc, ils l'ont perdu avec nous, avec Lula, avec Evo Morales, avec Chavez, avec Cristina, avec Correa. Ils l'ont perdu pour première fois, peut-être dans l'histoire, leur pouvoir. Pouvoir politique, mais pas le pouvoir économique, justement. Pas le pouvoir réel, parce que ça, c'est autre chose importante. Oui. Gagner les élections, des élections en Amérique latine, ne veut pas dire gagner le pouvoir. Voilà. Une démocratie doit être soutenue sur les pouvoirs des gens. Ça, c'est pas vrai en Amérique latine. Et là-bas, comme le cas de Moreno, pour maintenir le pouvoir, c'est suffisant avoir, ça s'appelle en espagnol, facteurs réels de pouvoir. Des facteurs réels de pouvoir. Oui. Ça veut dire les pouvoirs médiatiques, avant tout, pour manufacturer un concept, pour manufacturer le consent. Oui. Okay? Les pouvoirs économiques, les pouvoirs militaires, policiers, et même les pouvoirs religieux. Les évêques et tout ça. Donc, ils se soutiennent pour ça. Okay? En tout cas, je te disais, ils ont vu qu'ils ont perdu le pouvoir. Les États-Unis ont vu qu'ils étaient en train de perdre l'Amérique latine. Donc, ils l'ont préparé. Ça, c'est une stratégie régionale. C'est pas il y a eu des choses nouvelles et très intelligentes. Hein? Le coup d'État juridique, tout ça, c'est nouveau. La persécution judiciaire. C'est pas maintenant que j'ai été torturé, j'ai été fait disparaître. Non, non. Ça peut inspirer d'autres gens. Non, j'ai dit que tu es corrompu. Et avec tous les médias, tous les jours que tu es corrompu. Jamais il y a des preuves. Jamais. Mais tu es corrompu. Et finalement, quand un juge lâche, va te condamner, tout le monde va applaudir parce qu'on a condamné les corrompus sans aucune preuve. J'insiste sur ce point du pouvoir économique. Ça veut dire que si on veut que l'Amérique latine redémarre et qu'elle fasse encore mieux que la période 2002-2014, ça veut dire qu'il y a un problème à analyser. Comment on va contrôler mieux l'économie pour... Est-ce qu'on a fait très bien? Chez nous, on a fait très bien. Nous, on a eu beaucoup de prospérité, beaucoup de services publics, parce que ce n'est pas seulement la croissance économique, attention. Oui, mais le peuple Pérou, n'a pas... Pérou a beaucoup de croissance économique. Mais ça va... Les bénéfices vont à très peu de gens ou dehors du pays. Non? Donc, c'est la croissance économique avec l'action collective, ça veut dire un important rôle de l'État, pour améliorer la vie de tous. Et c'est clair, ça. Et même si on tourne pour un gouvernement de gauche, par exemple, j'ai presque triplé les salaires minimaux. Mais les bénéfices des entreprises ont plus que triplé. Donc, comment tu peux imaginer, si l'on fait tout le monde bien pendant mon gouvernement, qu'il soit contre moi? Parce que tous
toutes les classes. Les États-Unis derrière? Non. C'est parce que c'est la logique, c'est pas la logique des business. C'est la logique du pouvoir. Il est contrôlé par le gouvernement. Donc, c'est les mêmes élites qui ont les entreprises. La même logique comme consommateur, c'est croire supérieur aux autres. Maintenir les rapports verticaux pour dominer les autres, il applique quand il gère leur entreprise. Il faut tenir le pouvoir. Voilà. Et comme ça, ils vont continuer à nous dominer. Bien, je regarde les questions que nous avons reçues. Albert demandait, que peut-on attendre maintenant? Je ne pense pas que Moreno va changer de politique. Est-ce que les gens sont démobilisés ou ils attendent de voir ce qui se passe? C'est la question d'Albert. Il y a beaucoup de démobilisation, ça c'est un piège. C'est un piège, parce que, comme je te dis, ce n'est pas maintenant, ce moment-là, dire que tous les problèmes, c'est faire marche arrière d'une décision présidentielle. Savez qu'on n'a rien compris. Non? Le gouvernement est détruit, les pays est détruit, la cohésion sociale est détruite. Un président avec 4%, 6% de soutien populaire ne peut pas continuer au gouvernement. Il y a la sortie constitutionnelle, démocratique, pacifique, c'est avancer des élections. Il sait bien qu'il devrait peut-être faire ça. Mais d'abord, il faut nous éliminer. Parce qu'il sait que si on peut participer, on va emporter les élections. Ouais. Marie demande où en sont les syndicats, de quel côté ils sont. Ils ont participé à la proteste, mais ils ont soutenu le gouvernement. C'était terrible. D'abord, ils sont infiltrés pour les États-Unis, pour la CIA, tous. Non? Mais, deuxième chose, l'ennemi était nous. Parce qu'on a gagné tout. Il avait des excès, parfois, par exemple, la dirigeante de l'Indian, ça s'appelle CONAIE, ce n'est pas la seule organisation indienne, il y a quatre, mais c'est la plus importante, avait l'éducation bilingue, l'éducation pour les plus pauvres. C'était terrible. Tout était de la politique, était de pire qualité. Donc, il condamnait les propres frères, si tu veux, à la pauvreté éternelle. Parce que pour sortir de la pauvreté, d'abord, de bonne éducation. Donc, on a repris ça comme on devait, parce que c'est l'État le responsable. On a fort amélioré, mais ils sont allés à cause de ça à l'opposition. Donc, plus ou moins la même chose pour des syndicats, quelques syndicats, même si on a fait beaucoup d'avances, on dit. Oui, des progrès. Des progrès dans le secteur laboral. Par exemple, on a éliminé la tertiarisation. On est arrivé, tu pouvais engager un travailleur, mais ce n'était pas toi. Oui. Ton entreprise. C'était une très bonne entreprise. Une méthode qui se transforme beaucoup en Europe. Beaucoup de responsabilité. On a éliminé tout ça. On a fort amélioré les salaires, etc. Mais beaucoup de dirigeants étaient contre nous parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Ils avaient perdu le pouvoir. Pour ces gens-là, les ennemis, c'est nous. Donc, ils ont soutenu le gouvernement et continuent à le soutenir. Même si c'est un gouvernement d'extrême droite, même si c'est le Fonds monétaire du pays, même si c'est un, comment on dit, vassal des États-Unis, ils continuent à soutenir le gouvernement. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Un message pour les gens qui nous regardent ici, en Belgique, en France, dans le monde. Bon, il faut se tracasser un peu quand même. Hein. C'est, malheureusement, les mêmes problèmes, beaucoup plus graves chez nous. Hein. Mais vous avez des similaires problèmes quand même avec les médias. Si ce n'est pas le Venezuela, si ce n'est pas Hong Kong, pour être contre la Chine, ce n'est pas une nouvelle. Les morts, les grèves, les protestes, ça suffit. Il faut avoir, c'est le double standard. Il faut avoir une seule morale. En Équateur, sont arrivées des choses très graves. Il y a des morts, il y a des centaines de milliards de blessés, il y a des milliards d'arrêtés, il y a la persécution politique, il y a des prisonniers politiques. La démocratie est tout à fait détruite, mais pour l'Europe, ce n'est pas un problème. Et ça y est, quand même, d'exiger que seulement la pression internationale peut protéger les gens en Équateur. Donc voilà, ça c'est clairement un appel à notre rôle en tant que citoyen pour jouer un rôle actif dans l'information et obliger à ce que l'information circule. Merci énormément Raphaël d'être venu. Tous mes souhaits pour ton peuple qui vraiment mérite un avenir et pas des balles de la police. Je voudrais faire une ou deux annonces pour terminer. D'abord, on a eu, je remontre ceci, on a eu le prix Nobel qui a été décerné
Pour une fois, je crois que c'est un bon prix Nobel. C'est le premier ministre de l'Éthiopie qui l'a reçu pour avoir fait la paix en Éthiopie et avec ses voisins. Michel Midi, c'est une émission qui vous permet d'anticiper ce qui se passe, puisque dans cette émission avec Mohamed Hassan, nous avions annoncé que justement il y avait un grand bouleversement en Éthiopie et que c'était aussi venu à l'origine par l'Érythrée. Le président érythréen clairement aurait mérité aussi de partager le prix Nobel avec son ami éthiopien maintenant. Donc vous pouvez comprendre les dessous de cette histoire en regardant cette émission Michel Midi avec Mohamed Hassan. Nous avons aussi quelque chose de très très grave qui vient de se passer en Europe. Le Parlement européen vient de voter qu'il fallait réprimer les gens qui n'étaient pas d'accord avec la version officielle qu'il prétend imposer. Et cette version officielle, c'est quoi? C'est que la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est la faute de l'Union soviétique. La faute d'Hitler, mais c'est aussi la faute de l'Union soviétique. Ça, c'est hallucinant. Excusez-moi, qui peut dire des bêtises comme ça? Qui peut dire des C'est bêtises comme incroyable, ça? ça. Eh bien, les bêtises comme ça, c'est le Parlement européen qui a voté avec Ici? non seulement les par ici à Bruxelles, qui a voté non seulement avec l'extrême Si l'Union droite. soviétique était la grande victime de la Deuxième Guerre. Mais voilà. Tu sais que l'extermination, non, dans les camps de concentration, commençait avec les prisonniers soviétiques. Mais oui, je C'est sais. ça qui ne raconte Je pas sais. l'histoire. Et les premiers qui ont été dans les prisons des nazis, ce sont les Il y a un million communistes, de les morts, socialistes, les l'Union syndicalistes. soviétique. Voilà. Donc, on a eu cette horrible proclamation du Parlement européen, qui a donc déclaré que voilà, c'était la faute de l'Union soviétique. C'est hallucinant parce que ceux qui ont regardé avec moi cette émission de Jacques Poels, et je la recommande pour ceux qui ne l'ont pas vue, Les mythes de l'histoire moderne avec Jacques Poels et son bouquin, en réalité savent que c'est la France et la Grande-Bretagne qui ont refusé de faire une alliance contre contre l'Allemagne nazie et qui ont tout fait pour pousser Hitler à attaquer l'Union soviétique. Donc on est vraiment dans le mensonge et d'ailleurs je voudrais indiquer ceci, Charles de Gaulle, qui n'était pas un communiste, loin de là, il a déclaré en 1944, les Français, je cite, savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. Et Churchill, qui par ailleurs était un bandit de droite et qui a fait des choses vraiment horribles, était quand même honnête sur ce point-là et a dit exactement la même chose. Donc c'est hallucinant. Et évidemment, il y a des gens qui ont posé la question à des parlementaires du PS et des Verts, mais pourquoi vous avez voté cette horreur? Et il y en a un qui a répondu, ben, on n'avait pas lu le texte, on a voté comme tout le monde. Alors je m'excuse, mais à quoi servez-vous si c'est comme ça? Et est-ce que vous allez accepter un débat sur ces mensonges qui ont vraiment des conséquences graves? Parce que je m'excuse, si vous allez jusqu'au bout, vous allez mettre Marx et Che Guevara en prison, hein, c'est clair, ça devient totalement interdit d'être communiste et marxiste. Donc par rapport à ça, je signale qu'à Paris, nous organisons le 4 décembre, un grand débat avec Jacques Poels, justement, Annie Lacroix-Riis, qui a raconté beaucoup sur l'histoire de 40-45 et toutes ses responsabilités, et Fadi Kassem. C'est le 4 décembre à 19h à la Bourse centrale. Venez nombreux, mobilisez autour de nous. On essaye d'avoir la salle bien pleine le 4 décembre. Voici l'adresse de Investigation Paris si vous voulez donner un coup de main et nous aider à mobiliser pour ce grand débat et contre le négationnisme, contre l'histoire censurée. La prochaine émission, mardi prochain, sera avec Roland Lafitte, que vous voyez ici. Nous allons parler de son livre Antisionisme, judéophobie, islamophobie. Je ne vous en dis pas plus, ça va être passionnant aussi. Merci Raphaël, merci à vous et tous ensemble pour la bataille pour la vérité. Au revoir.